Tout est prêt en bas, la table est prête, la bouffe presque prête, enfin la chambre impeccable. Et on a hâte de faire découvrir tout ça, Thibaut. Ah voilà les mecs, ah ça klaxonne. Remercier tout le monde, fais la bise à tout le monde, sauf à moi. Force de boucle. Tout de suite, je comprends qu'il y a Anguille sous rush. Vous voulez installer pour l'apéro? Une fois que Thibaut nous embrasse et nous remercie, on lui dit que l'apéritif va bientôt être servi. Extrait ou pas volontaire? Thibaut? Oui. Je sais pas. T'as pas vu? C'est quoi Thibaut? Non, j'ai oublié, impossible. Tu crois qu'il s'est fait monter la tête? Après que Thibaut ait complètement nié Jerem Star, avec Anaïs, on peut pas en rester là. C'est quelque chose vraiment qui nous énerve toutes les deux. Donc on va voir Eddy. Ça m'énerve. Donc on va trouver. Tu vas tailler par les des milliers. Je dis, j'ai donné mon opinion. Maintenant, si ça plaît pas, je m'en branle complètement. Je n'ai rien dit. Non, je sais, mais j'ai juste dit que j'ai donné mon opinion. Non, mais... Et tu me connais, je suis quelqu'un de très fort. Bien sûr, Amélie, j'ai en fait, dit... la seigneur, ça va. Thibaut, tu t'excites. Ils veulent pas aller se disputer ailleurs, là. Bah, c'est leur opinion, mais c'est tout. C'est tout. Et je pense tout. Qu'il est assez grand pour se défendre tout seul. J'espère que les garçons ont compris le message qu'on a pu passer avec Anaïs. Donc la soirée pour Thibaut et Shanna continue. Merci beaucoup. Santé top. Et bon anniversaire. On est bien là, c'est beau. Oui, grave. Et puis voilà, après on verra ce qui se passe. De loin. J'ai encore une surprise, on me recache les yeux jusqu'à la maison, je rentre. Et sur le mur, je vois Shanna, Thibaut, The Room.